Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle leçon de l'école du dimanche en ligne. Nous allons aujourd'hui continuer ce que nous avions commencé la dernière fois dans le livre des Actes et nous allons lire donc au chapitre 4 à partir du verset 36 et nous continuerons ensuite au chapitre 5. Donc acte 4, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils de consolation », lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. La dernière fois, donc, nous avions vu ensemble comment dans l'église de Jérusalem, les gens avaient commencé à tout mettre en commun. Les riches avaient apporté leurs biens pour aider les pauvres. Et on avait vu, ce qu'on a relu encore ce matin, comment Barnabas avait vendu un champ et il avait apporté l'argent pour qu'on puisse aider les pauvres avec cet argent. Donc c'était une période merveilleuse, les chrétiens s'aimaient, ils s'aidaient les uns les autres, mais on voit que même dans ces moments, même dans l'Église, eh bien, tout n'est pas parfait. Et on voit aujourd'hui cette histoire d'Ananias et de Saphira, qui eux ont aussi vendu un champ, mais quand ils ont apporté l'argent, en disant que c'était tout l'argent qu'ils avaient eu avec la vente de ce champ, en fait, ils mentaient, ils avaient gardé une somme pour eux. Donc aujourd'hui, on va voir deux thèmes qui sont le mensonge et qui sont l'hypocrisie. Ananias et Saphira, ils ont menti. Ils ont dit, voilà l'argent de la vente du champ. Voilà tout l'argent de la vente du champ. Alors que ce n'était pas vrai, c'est un mensonge. On sait qu'ils ont dit ça parce que Pierre, eh bien, quand il parle à Saphira, il lui demande, est-ce que c'est bien à ce prix-là que vous avez vendu ? Et elle dit oui. Donc, ils avaient menti sur la somme. Pourquoi est-ce qu'ils avaient menti ? Ils avaient menti parce qu'ils étaient hypocrites. L'hypocrisie, ça consiste à montrer quelque chose qu'on n'est pas. Le mot hypocrite, ça vient d'un mot grec qui parle des acteurs qui, dans le théâtre grec, portaient un masque. Donc, c'est l'idée de donner une apparence, alors qu'au fond, on n'est pas ça. Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Ils voulaient montrer qu'ils étaient très généreux, qu'ils étaient comme Barnabas. Barnabas avait été généreux, il avait vendu un champ, il avait apporté l'argent. Eh bien, ils voulaient que les gens se disent « Ah, Ananias et Saphira, eux aussi, ils sont très généreux. » Vous voyez, ils ont fait comme Barnabas, ils ont vendu un champ, ils ont apporté tout l'argent. Et le problème, ce n'était pas de garder une partie de l'argent. Pierre, il le dit à Ananias au verset 4, au verset 3 et 4. S'il n'a pas été vendu, donc le champ ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Donc c'était son champ, il avait le droit de le garder, il n'y avait aucune règle qui l'obligeait à vendre le champ. Et une fois qu'il l'avait vendu, eh bien c'était son argent. Il en faisait ce qu'il voulait. Il avait parfaitement le droit de venir et de dire, bah, tenez, voilà, j'ai vendu un champ et puis je vous apporte la moitié, ou bien le quart, ou bien les trois quarts, peu importe. Mais de dire la vérité. Mais le truc, c'est que s'il avait fait ça, il aurait paru moins généreux que Barnabas, qui lui avait tout donné.
Donc il voulait donner l'impression qu'il était très généreux, alors qu'en fait, ben, il voulait garder une partie de l'argent. Et le problème, il était là. Il était, Ananias et Saphira étaient hypocrites. Ils montraient quelque chose qui n'était pas la réalité. Et l'hypocrisie, donc, ça va avec le mensonge. C'est deux choses qui sont complètement liées. Le mensonge, c'est quelque chose qu'on fait très facilement. C'est dans notre nature, on est des pécheurs, et dès qu'on a peur, dès qu'on a honte, eh bien, on a tendance, naturellement, à vouloir transformer la vérité pour s'en sortir. Si on a fait quelque chose de mal, on a tendance à dire « non, c'est pas moi qui l'ai fait ». Parce qu'on espère comme ça qu'on va échapper à la punition. Si on a honte de quelque chose, c'est pareil. Parfois aussi, certains mentent pour leur intérêt, parce qu'ils veulent que quelqu'un fasse quelque chose, ceci, cela, et ils vont lui mentir pour le pousser dans une certaine direction. Mais d'où est-ce que ça vient, le mensonge? Le mensonge, ça vient du diable. Jésus a dit que le diable est le père du mensonge. Et pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Eh bien, on va aller regarder dans le livre de la Genèse. Quand on va dans la Genèse, au chapitre 3, donc c'est juste après la création, Dieu, vous vous souvenez, avait créé le monde, il avait créé aussi un arbre dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il avait dit à l'homme et à la femme qu'ils n'avaient pas le droit de manger le fruit de cet arbre. Et donc le diable vient sous la forme d'un serpent, il parle à la femme, il lui demande si elle a le droit de manger tous les arbres, du fruit de tous les arbres. Et la femme, elle répond correctement qu'il y a cet arbre-là, donc ils n'ont pas le droit de manger. Et elle dit que Dieu leur a dit que s'ils en mangent, ils vont mourir. Et voilà ce que le diable dit au verset, donc Genèse 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc là, le diable, il a menti. C'est le premier mensonge dont il est parlé dans la Bible. Et le diable, il ment de plusieurs manières. Déjà, il dit « vous ne mourrez point ». Alors, oui, ils sont pas morts là tout de suite maintenant, dès qu'ils ont touché au fruit. Mais à cause du fruit qu'ils avaient mangé, ils sont devenus mortels. Donc, ils sont bien morts. Donc, c'était un mensonge de dire « vous ne mourrez point ». Et quand il dit « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal », là encore, il y a un peu de vérité. Après, ils ont su ce que c'était que le bien et le mal, alors qu'avant, ils n'avaient pas, c'était des notions qui leur étaient inconnues. Mais ils ne sont pas devenus comme des dieux. Ils sont devenus, au contraire, des hommes pécheurs, mortels, misérables. Donc le diable, par ce premier mensonge, a introduit le mal dans le monde. Et au passage, il a aussi accusé Dieu d'être un menteur, alors que Dieu, lui, dit toujours la vérité. Et c'est pour ça que le mensonge, c'est extrêmement grave. Le mensonge, c'est le premier péché, on peut dire. C'est celui qui amène tous les autres péchés. Et c'est celui aussi qui sert à couvrir, à masquer, à dissimuler tous les autres péchés. Donc, le mensonge, c'est un péché qui est très facile à commettre, qu'on a tous commis un jour ou l'autre dans notre vie. C'est malheureusement dans notre nature pécheresse, mais c'est un péché terrible. Ce n'est pas parce qu'il est courant, parce qu'il est facile, qu'il n'est pas grave. Au contraire, on ne peut pas vraiment mettre d'échelle dans les péchés, de dire qu'il y a certains péchés qui sont plus graves que d'autres. Aux yeux de Dieu, tous les péchés sont graves et inacceptables. Mais le mensonge, c'est quelque chose de particulièrement dangereux, de particulièrement grave. Donc là, Ananias et Saphira, ils ont menti et ils ont été hypocrites. C'est quelque chose de terrible. Et Dieu a prononcé un châtiment terrible pour cela. Ils sont morts tous les deux. C'est Dieu qui les a punis, ce n'est pas Pierre. Oui, c'est Pierre qui a parlé, qui a dit qu'ils avaient mal fait, qui les a condamnés par ses paroles quelque part. Mais ce n'est pas Pierre qui les a tués. Ce n'est pas Pierre qui a demandé aux autres de les tuer. Non, non, c'est Dieu qui a frappé Ananias et Saphira de mort. Dieu l'a fait
pour montrer à quel point les choses étaient graves, à quel point Dieu prend le péché au sérieux et à quel point Dieu, dans l'Église, ne veut pas que ses enfants soient des menteurs. Dieu veut que nous soyons honnêtes. Nous devons être honnêtes dans tous les aspects de notre vie, mais particulièrement quand il s'agit de notre vie chrétienne, particulièrement quand nous nous adressons à l'Église et quand nous nous adressons aussi à Dieu. On peut en plus être malhonnête avec Dieu, c'est complètement absurde parce que Dieu sait toute chose. Dieu savait ce que Ananias et Saphira avaient fait. C'est lui qui l'a révélé à Pierre. Ce n'est pas que Pierre avait des espions et qu'il avait renseigné. C'est l'Esprit de Dieu qui a renseigné Pierre. Donc, il ne faut jamais mentir et surtout, surtout ne jamais mentir à Dieu. Un chrétien doit toujours dire la vérité, sans exception. Il n'y a pas de bon mensonge, il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de mensonge utile, il n'y a pas de mensonge nécessaire. Le mensonge, c'est toujours mal et Dieu déteste le mensonge. C'est la leçon de ce passage. Le but de ce passage n'est pas de nous faire peur, de nous dire « Ah, c'est terrible, c'est dangereux ». Non, le but, c'est de nous montrer la gravité du péché et de nous apprendre à obéir à Dieu, à respecter sa parole, à marcher selon sa volonté. Voilà le message que je voulais vous laisser ce matin. Je vous souhaite à chacun une bonne journée et une bonne semaine. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, vous et vos familles. Puis soyez toujours bien prudents avec l'épidémie. On peut nous-mêmes, nous aussi, transporter le virus, même si on n'est pas forcément malade, il faut faire très attention. Et donc, que le Seigneur vous garde, qu'il vous encourage, qu'il vous bénisse. Bonne journée et bonne semaine à chacun.